Bonjour. Attendez, parce que... Oh. Eh oui. Le petit déj devant Akira Cham, c'est bien ça. C'est très bien ça, Monsieur Robert. Donc oui, bah, normal après, parce que... Bah, hey, Akira Cham, c'est quoi? C'est des lives matinaux, hein. Pour le moment. Après, ce sera des lives sur le week-end, matinaux, toujours, mais sur le week-end. Bon, les copains, on va pas plus tarder, parce qu'il est 8h, 8h tout pile, bienvenue à tous, avec les Raptors. Oui, c'est les traditions ici. Alors attends. Attends, je baisse la musique, hein, parce que du coup, ça me déconne, ça pète les oreilles, oh. Voilà. Alors, il y a des traditions ici. Il y a des traditions qui se sont mises en place. La tradition du dimanche où on vient habiller. Eh oui. Il y a la tradition du... Attendez, hop. Il y a la tradition du début de live. Avant que j'arrive sur scène, il y a les cris des Raptors qui retentissent. Et une fois que le live est terminé, quand je lance la musique, il y a le T-Rex qui crie. Donc voilà. Et tout ça est accessible par le chat, hein. Vous y avez accès, vous avez des points de chaîne. En bas à gauche du chat, vous avez un petit écusson AC, Akira Cham. Ce sont des points de chaîne, et quand vous cliquez dessus, vous avez des vous pouvez acheter, avec les points de chaîne que vous gagnez en regardant les lives d'Akira Cham, vous pouvez regarder, quoi. Vous pouvez acheter des trucs. Il y a des défis, il y a des trucs à faire, c'est rigolo, tout ça. On s'amuse. Bon, on va pas tarder. Salut à vous, belle compagnie. Exactement, par exemple, salut à vous, belle compagnie. Et moi, je réponds dans la foulée. Hola, étranger, bienvenue dans ma boutique de potions. Du futur. Donc, on va pas tarder. On ne va pas. Enfin, niveau Tezo, quoi, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? On joue à Tezo le lundi matin. C'est complètement con. Et on stream du Tezo le lundi matin. C'est complètement con, complètement débile. Pourquoi? Parce que, ben, le lundi, à la maintenance. Et le lundi, la maintenance, elle est à 10h habituellement. Donc à 10h, ça va, on peut faire des trucs de 7h à 10h, on a 3h. Sauf que là, aujourd'hui, la maintenance, elle est à 9h. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tezo est inaccessible à partir de 9h. Parce qu'on est le seul à live du Tezo le lundi. Mais c'est pas grave, on va en profiter quand même. j'ai la voix cassée, c'est le réveil... On a passé une grosse journée hier, mais on est content parce qu'on a plein de choses de prévues cette semaine, plein de trucs positifs, plein de choses. Et du coup, je vous accompagne tous avec le petit café. Regardez, je le dis souvent, mais regardez, j'ai une tasse I Love Tea. Regardez, je peux même faire ça. Regardez la tasse.
Ben dedans c'est du café. Donc je vous trompe. Oui. Je suis navré, les viewers. Navré. Mais c'est du café. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben vous pouvez très bien avoir du café chez vous, vous pouvez très bien avoir du thé, vous pouvez très bien avoir un chocolat chaud, vous pouvez très bien avoir une vodka pomme. Tranquille quand même, hein. Petite vodka pomme, c'est pour plus tard. Hein. Ou comme dirait Aloran ici, ben sur le fuseau horaire de tel pays, il est 11h30, du coup, au fin de compte, on peut peut-être boire une vodka pomme. Quoi qu'il en soit, passez un bon petit-déj, pour ceux qui petit-déj. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Bon courage à ceux qui bossent. Ou de l'hydromel, exactement, Robert. Rob. Je vais t'appeler Rob. Si tu le permets, bien évidemment. Normalement, j'ai du courrier. J'ai pas mon courrier d'artisanat. Il arrive plus tard. Il arrive peut-être plus tard, parce qu'hier, on l'a chopé plus tard, c'est possible. Bon. Où est-ce qu'on en était, nous? On est en bord de ciel, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Regarde, Roro. Regarde, Robert. Ça va te plaire, ça. Regarde où on est. On est en bord de ciel occidental. Et oui. Là, c'est tout le bord de ciel. Ici, là. Tout ça, c'est le bord de ciel. Et dans tes eaux, les deux tiers du bord de ciel est occidental. Rob, c'est bien. Parfait. Et en fait, nous, étant une petite elfette noire, regardez comme elle est belle, cette petite elfette noire. Notre patrie est en Vardenfell, bien évidemment. Donc du coup, vu que moi j'ai commencé les Elder Scrolls avec Morrowind, je me suis dit, bah, je veux faire à 100% Vardenfell. Je veux le faire à 100% à 100%. Ce qui nous a valu de gagner, au final, un très joli meuble pour notre maison communautaire, hein, je le répète, car nous avons une guilde communautaire liée à Kirasham. Et ben, on a gagné un très beau meuble, et ce meuble, c'est une grosse map en relief de Vardenfell. Du coup, on est tout content. Et on s'est dit, après avoir fait le Vardenfell complet, qu'est-ce qui nous appelle dans notre cœur? Et ben, c'est bord de ciel, parce que Skyrim, parce que bah, vous voyez bien. Pourquoi pas Cyrodiil, parce que Oblivion, non. Parce que Cyrodiil, c'est la zone PVP, et moi je ne suis pas du tout PVP. Un jour peut-être on ira découvrir le PVP dans tes eaux, mais moi je suis beaucoup plus PVE, c'est pas trop mon truc. Donc je me suis dit, ben, go faire un 100% bord de ciel. Et j'avais envie surtout de voir, parce que tes eaux, ça se passe des millions, enfin des je sais pas combien de milliers d'années avant. Je crois que c'est 3000 ans ou un truc comme ça, ou 2000. Et du coup, je me suis dit, mais attendez, en Vardenfell, là, il y a eu le grand cataclysme dans notre quête principale. Et le grand cataclysme, il est lié à quoi? Il est lié à la disparition de Fort d'Hiver dans Bord de Ciel. Du coup, je me suis dit, oh là là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, présentement, dans Bord de Ciel, il y a Fort d'Hiver. Et j'ai tellement envie de voir Fort d'Hiver à quoi ça ressemble. Et du coup, j'étais un petit peu dégoûté. Parce que, un petit peu déçu, parce que du coup, on a accès au bord de ciel occidental, mais pas au bord de ciel oriental, où il y a Fort d'Hiver ici. Du coup, j'étais en train de me dire, mince, zut, mais c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va quand même faire le bord de ciel occidental. Du coup, bah regardez, progrès de la carte. Là, vous voyez pas, parce qu'il y a ma tête qui cache, mais on est à 100%. On est de partout, on a absolument tout. Et il nous manque quoi? Il nous manque... À Solitude, il y a l'académie, enfin le collège des bardes. Et dans le collège des bardes, on peut rassembler des instruments qui sont perdus, à gauche, à droite, disséminés dans bord de ciel. Et quand on les rassemble à la fin, eh ben on gagne un succès, on gagne quelque chose. On gagne une petite boîte à musique à mettre dans notre maison. Du coup, ben, on est parti pour faire ça. J'ai même pas ouvert la carte à côté. Désolé, il n'y a plus le son du jeu, les gens. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je regarde le collège des bardes pour les instruments. Je regarde un peu où ils sont. Je m'ouvre la map et on va aller les,
On va aller les chercher. Donc on en a quelques-uns. On en a quelques-uns déjà. Normalement, je suis paré. Hein. Au niveau de mon inventaire, je suis comment? Oula. Oui, au niveau de l'inventaire, je suis bien. Donc j'ai même pas besoin de... J'ai besoin de rien faire en fait. Juste, je vais enlever ça au cas où. Alors les sons du jeu sont pétés, c'est normal. Les sons du jeu arrivent après, c'est un enfer. Vous allez voir, ça va tout arriver d'un coup. Quoique non, parce que je vais quitter le jeu, voilà. Donc au final, non. C'est tout pété, pourquoi? Parce que du coup, on est sur un HDD au niveau du jeu. Et on a notre système sur un SSD. Mais il n'y a pas assez de place sur le SSD pour mettre tes os. Donc du coup, une prochaine. Le prochain achat pour le stream. La magie! Exactement, la magie. Comme le luth de Finn, exactement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, ce qui était facile avec les frottis, c'était les choses à récupérer pour avoir la fameuse map de Vardenfell en Vardenfell. Il y avait un plan, un chemin. Ça faisait le 1, il est là, le 2, le 3, le 4, le 5, et ainsi de suite, et ça faisait tout le tour de Vardenfell. Là, c'est un peu plus bâtard. il faut aller à gauche, à droite, et re à gauche, à droite, en haut, en bas. Parce que oui, ici, la map, elle fait ça, c'est peut-être moins grand. Mais dans le bord de ciel occidental, il y a ça, là. Il y a Griffe Noire. Et Griffe Noire, c'est tout un complexe souterrain, immense, avec, là, le domaine des vampires, le fort de Grisland. Donc c'est énorme, hein. c'est juste... Là-dedans, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a des falmers, il y a plein de choses. Du coup, le 17... Alors, désolé, le son va couper de temps en temps, du coup. Le 17, qu'est-ce que c'est? Le fléau du Jarl. Si je ne dis pas de bêtises, on ne l'a pas. Je vais vite faire garder... On va aller à l'académie, on va aller au collège des mages. Même si on n'a pas trop le temps aujourd'hui... par rapport au fait qu'il y ait une fucking mise à jour. Oh, mais il y a elle aussi. Je prends ta quête. Alors, elle... Ah, mais non, c'est la quête. On n'a pas rendu la quête. Mon expérience. Elle, c'est le Tanepe Yilta. Le Tanepe Yilta, elle nous donne une quête journalière qui est répétable pour pouvoir faire... où il faut faire une tempête. Une tempête, c'est un événement. Est-ce que la tempête est finie? Vous êtes sûr c'est qu'on un événement, risque plus rien? Un événement. Et vous avez vu les dégâts que la tour du loup a subi? Un événement public, quoi. Où des gens peuvent participer, où il y a des boss, tout ça, machin. Et en fait, il faut la poutrer. Et quand on la poutrée, on revient la voir et elle nous donne un cadeau. Et en fait, dans ces cadeaux, il y a un cadeau aléatoire qui peut tomber. C'est les motifs de Grisland. Et les motifs de Grisland, on les veut absolument. Parce que les motifs de Grisland permettent d'avoir le skin Grisland. Et le skin Grisland, c'est une armure qui est trop belle et qu'on veut absolument. Oh, dis donc, toujours un pourboire. Le chargement a été rapide. C'est eux qui décident qui sont les criminels et qui Alors, sont les héros. Nous avons ici Luche Petra. Alors, je vais faire un truc. Je vais faire un truc et je vais ouvrir un doc tout de suite à côté. Désolé, je suis vraiment désolé que le son se coupe. Mais c'est temporaire. Donc, je vais marquer. Je marque en fait de 1 à 18, parce qu'on a 18. Et quand je les ai, je les efface. Voilà. Quand je les ai, je les efface, comme ça, on est bon. Alors, tac, tac. Du coup, on a Luche Petra. La Luche Petra. Luche Petra, c'est... Zoom, 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 zoom. Elle est où? Il est pas? Ah, mais c'est le premier qu'on ramène, non? Y'a pas un truc comme ça? Je crois que c'est le premier qu'on ramène, mais qu'il fait pas partie des 18, ou y'a un truc comme ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le carillon de l'infini. Le carillon de l'infini, c'est le 1. On l'a fait hier. Donc, le carillon de l'infini... Ok. Le 18 aussi, on l'a pas parce que c'est le. On avait pris le premier et le dernier. Par le ciel. Par le miel.
par le ciel. C'est le 12. Là, y a rien. Là, le pipeau. Le pipeau, tiens. Il est où, le pipeau? C'est le 10. Alors, désolé, hein, ça met l'ambiance, hein, quand il n'y a plus de son. Hein, c'est fou. Hein. Vous êtes seul avec ma voix. Ok, ensuite, on a le Dizzy de Haut-Deuil. Le Dizzy de Haut-Deuil, c'est le 4. Très bien. Ensuite, on a l'Anglis. Bonjour le chat. Bonjour Pogo. Ah mais dis donc, c'est rare qu'il y ait Pogo qui vienne. Regardez, c'est Pogo. L'Anglis. L'Anglis, c'est le 13. Hop. 13. Ensuite... C'est magique, hein, cette camcha. Hein. Tambour de guerre, Rayman. Tambour de guerre, Rayman, c'était le 18. Oui. C'est celui qu'on avait chopé. Ah, le cri de la soie. Le cri de la soie, il est beau. Le cri de la soie, c'est... C'est le 15. Hop. Ensuite, on a Roi Tonnerre, qu'on a eu chez des orques. Roi Tonnerre, c'est le 14. Ok. Eh ben, je crois que c'est tout. Hein. Tout le reste, c'est à choper. Hein. Tout le reste, c'est à choper. On en a un. Ah non, il y a lui. Il y a lui, là. Il y a ça là, non? On n'avait pas mis ça à un moment? Et ça? Ça aussi on l'avait mis à un moment. Pourquoi? Bizarre. Du coup on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, super. Bien le bonjour, Guinouche. Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que t'as la forme. Bienvenue à toi. Tu sais où choper les autres? Ou c'est aléatoire? Non, c'est pas aléatoire. C'est ils sont disséminés dans bord de ciel. Et puis, il faut les choper. Va falloir les choper. Allez les trouver. Donc, des fois, il y a un petit parcours à faire... Des fois, il faut affronter quelques mobs. Voilà, donc ils sont peut-être dans des donjons, des trucs. En tout cas, là, il y a le 2. Le 2, je l'ai vu. Le 2, je l'ai vu. Le 2, il est là. Et le 2, c'est quoi? Le 2, c'est Tendre Griffe. Et il est à la surface. Je pense qu'on va faire tous ceux qui sont à la surface. J'espère que tu vas bien, Guinouche. J'espère que t'as la forme. Merci d'être présent ce matin, malgré le fait que je sois le seul streamer Tezo qui stream un lundi alors qu'il y a la fucking maintenance à 9h. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est même mieux pour moi parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui. J'ai plein de trucs à faire et du coup, ben, le jeu est en train de me dire « Hey, fais ce que t'as à faire quand même. » Les développeurs, ils m'ont dit « Ouais, on va mettre une maintenance parce que Akira, il a des choses à faire. Et puis si on met pas de maintenance, il est parti jusqu'à midi, il aura pas fait de truc. Hein. » Donc ouais, on va faire une maintenance pour Akira. C'est juste une maintenance pour Akira. Et sur la fin, si jamais vous êtes encore là, sur la fin, on ira visiter la maison. On ira visiter la maison parce que bah, Rob, tu ne connais pas la maison, tu ne l'as jamais vue. Et je pense que ça peut t'intéresser grandement. Parce que dans tes os, bah, y a du housing, comme tu le sais. Du coup, Tendre Griffe. Tendre Griffe, il est... Alors, il est par là. Alors, j'ai peur. Hein. Parce que s'il est par là, là, il y a un donjon. Enfin, un donjon, on peut le faire, hein, c'est pas un problème, mais...
mais soit il est à l'extérieur et c'est parfait. Soit il est. Soit il est dans le donjon, il va falloir vous le chercher. Êtes sûr qu'on ne risque plus rien ? Donc on ira voir. Je vais à l'oratoire pour éviter de dépenser des sous. Parce que je dépense trop de sous à me TP, moi. Enfin, je dépense trop de sous. Je vais faire pour le moment, alors qu'il y a un oratoire à côté, à me TP grâce à l'oratoire. Ok, je vais regarder. Est-ce qu'il parle du 2 ? Est-ce que Tendre Griffe, ils disent quelque chose ? Parce que s'ils disent quelque chose sur Tendre Griffe, peut-être qu'ils nous diront « Ouais, en fait, il est là, il faut faire ça. » Et moi, je dirais « Ah ouais. » Et comme ça, ça nous éviterait peut-être de chercher pendant 15 ans. Vous avez vu, il y a Pogo qui est avec nous. C'est rare que ce soit Pogo qui soit avec nous. Eh ? T'as vraiment Pogo ? Bon, oui. C'est mon Pogo. Habituellement, c'est Slam ou c'est Maki. Eh, c'est Pogo aujourd'hui. Un peu de changement. Il est beau ce chat. Hein. Oui, il est beau ce chat. Alors, Tendre Griffe. Plus. Tendre Griffe. Ah, ils disent où il est et tout. Ok, donc il est dans le donjon. Hein. Désolé, il n'y a pas de son du jeu. Hop là. Voilà, en plus on vient d'arriver, parfait. Alors, ils disent qu'il est dedans. Donc s'ils disent qu'il est dedans, eh ben, va falloir aller dedans. On va prendre notre cannelle. Allez, regardez notre on cannelle est parti. Qui est beau. On crache dessus, cannelle. Il va plus vite maintenant. Ah, il va de plus en plus vite. Et on a hâte d'avoir un goir, hein, je le rappelle, mais... Quand on aura des sous dans la vraie vie, promis, on... Promis, on s'achètera un goir. Hein. De la soie d'araignée, on récupère toujours. Ça peut toujours être utile. Bonjour monsieur, comment ça va? C'est vous que j'ai sauvé la dernière fois dans le donjon, je crois. Ok, Tendre Griffe. Donc Tendre Griffe, il est dedans. Dans Vertombre. Et dans Vertombre, il serait... Ok, il est posé sur le... Ah. Eh ben, il est là. Vous voyez le... Vous voyez la miniature? Bah c'est ça. En fait, le fanart, là. Le workart, pardon. Eh ben, je crois que c'est ça. Hein. Il y a un petit pont comme ça. Il y en a qu'un dans le truc, je crois. Et en fait, il serait par là. Traverser le pont et... Poum! Il vient. Là ou là, je sais pas la perspective de quel côté c'est, mais ça a l'air d'être là. Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus vert. La vallée fertile de Vertombre est entourée de montagnes qui le protègent, du climat du bord de ciel occidental. Toutes sortes de créatures se sont réfugiées dans cette vallée, dont des loups, des ours et des spriggans. Et bon café à tous et bon petit déj à tous. On en oublie les traditions à vouloir rush. La maintenance nous met la pression. Hein. Parce que en vrai, normalement, je me fais un petit café dans le jeu aussi. Je fais un café in-game et je bois mon café dans la vraie vie. Bon. Qu'est-ce qu'on a de beau? On passe par où? Qu'est-ce que quoi? Qui sait? Pourquoi? Go par là. Hein. On va faire flouch flouch flouch. C'est tout droit, j'ai l'impression. Bonjour les animaux, alors je suis désolé, vous êtes morts? Ou vous dormez? Ah non, ils sont décédés. Hein. Pourquoi il y a tout le monde qui est décédé? Hein. Quelqu'un qui est passé par là? Bon. C'est pas grave. Restez décédés, on reviendra. On n'est pas là pour dédécéder les gens. Des décédés, ça veut dire les rendre des morts, quoi. Les démourir, quoi. Les Spriggans, c'est un peu les écolos de Tezo. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est des dryades, hein. C'est des dryades, hein, les Spriggans. Effectivement, c'est un peu les... Ouais, c'est...
C'est les verres, quoi. C'est les verres de Kizu. Donc les verres, V-E-R-T, bien sûr, hein, pas V-E-R-S. Hein. Ok, donc ça poutre, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude, on change pas une équipe qui... On change pas une équipe. Donc voilà. Dissiper la tempête faucheuse. Oui, c'est vrai qu'on a ça en quête, du coup. Oh, on n'a pas ouvert. J'ai pas ouvert mon... Ma récompense pour ma quête. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Putain, la vache. Attention, est-ce qu'on va avoir les motifs Grisland? Non. Par contre, on a le mur de solitude. Un mur de solitude bas en pierre, incurvé. Ah, c'est cool ça. Et on a des huiles de chauve-souris pour faire le motif, pour faire le style Grisland. On a un bouclier venimeux. À quoi il ressemble le bouclier venimeux, même si j'en ai pas besoin parce que je suis à l'arc? Il est joli, ça va. Ça va, il est joli. Et on va apprendre le mur. Voilà, donc j'ai appris le mur. Ça, on peut pas l'apprendre parce qu'on n'est pas niveau 10. Mais ce sera bientôt le cas, quand on passera niveau 50 en couture. Niveau 10 en artisanat, hein, pour ceux qui suivent pas. Parce que là, je suis bientôt niveau 40, niveau global. Mais niveau des compétences, on a plein de compétences et on a l'artisanat. Et dans l'artisanat, on a notre ami Totof, qui est notre farmer chinois, et qui s'amuse à farmer plein d'éléments, à nous les envoyer, et nous on les décrafte. Et vu qu'on décrafte des trucs qui sont très très haut level à son niveau, à lui, et bah du coup ça nous rush nos trucs, et au lieu d'être par exemple niveau 3, niveau 5, et bah on est en couture, on est niveau 41. En forge on est 36, et en travail du bois on est 38. Et en fait quand on a un motif, par exemple ceux-là, les motifs qui nous permettent de pouvoir appliquer un style assez particulier sur notre armure par exemple, ou sur nos armes, eh ben il faut les apprendre. Et il faut avoir une compétence passive, celle-là par exemple, à 5, 6, 7 selon la rareté du truc. Et nous on est 9 sur 10. Hein. Donc quand on sera sur 10, on pourra apprendre absolument tout et n'importe quoi comme motif. Et c'est juste... Waouh. Donne-moi tes motifs. Non. C'est Kobe qui nous les a donnés. C'est Kobe qui a donné. Je les veux tous. Non, va falloir venir les chercher. Mince, qu'est-ce que je viens de dire? Ok, on est arrivé? Ah, c'est pas le pont que je pensais. Alors le monsieur il dit que c'est là. Où c'est? Peut-être de l'autre côté? Où est-ce? C'était un bon échauffement. En bas là? Non. Non, pas en bas. Ça brille un peu, hein. Ça brille vert. Les instruments, ils brillent vert. Alors là, il y a de la végétation, du coup, j'essaye de voir. En dessous. Peut-être par là-bas. Ah, il est là-bas! Vous voyez? Il est là-bas. Mais du coup, il est pas du tout au bon endroit. Ah si! Ok, il avait mis un marqueur, mais c'est pas du tout le marqueur qu'il fallait regarder. Hop, tendre griffe. Ah, c'est un vuvuzela quoi. À boire, merci. Oh mince, j'ai pas de bouteille. Enfin, il me reste un fond. Je vais boire ça, après je vais aller chercher une bouteille. Merci Rob. Merci de penser à ma santé. À boire. Ok, du coup là on est bon. Le 2, on l'a. Donc le 2 sur notre petit document, on va le supprimer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à la surface? Parce que du coup, nous, je rappelle qu'on est à la surface pour le moment. On a le 17, 11, 16.
17, 11, 16. 17, 16, 11. Ok, on les a pas. Nous ne les avons pas. Je vais les rassembler, comme ça je sais que c'est ceux-là qu'on va faire. Et on va aller au plus proche. Le plus proche, c'est le 17 qui est au nord. Le 17, il est au nord et il serait par là. Il serait par là. Touk. On va se TP directement à l'oratoire. Ok. On se TP à l'oratoire. Le 11, il est pas si loin. On pourra aller le chercher assez facilement. Le 17, on a dit. C'est le fléau du Jarl, le 17. Le fléau du Jarl. Le 11. Ok. Ok, ça va le faire. Ça va le faire, ça va carrément le faire même. Donc là, c'est le fléau du Jarl. Si je dis pas de bêtises. Je dis bêtises ou pas ? Non, je dis pas de bêtises. Ok, c'est bien le fléau du Jarl. L'art du crochetage implique la vue et l'ouïe. Observez les goupilles et, quand l'une d'elles se met à remuer et qu'un cliquetis se fait entendre, relâchez-la. S'il vous plaît. Merci le jeu d'ailleurs pour ces astuces. Ah! Du coup, hier, les gens, on a fait JDR, hein. Hier, on a fait JDR en live à partir de 14h jusqu'à à peu près 18h, et après, on a discuté jusqu'à 19h. C'était bien. C'était vraiment super. C'était le premier jet. MDR Denis. c'était vraiment top. Je m'attendais pas. Enfin, les gens me disaient... On veut être là, on sera là, ça va être bien, tout ça, tout ça. Mais je m'attendais vraiment pas, en fait, qu'il y ait autant de monde. Et vu qu'il y avait tellement de monde... Hop, Makin dit bonjour. Hop là, hop, calmez-vous, ne vous battez pas. Putain. Attendez, seconde. Problème technique. Tout le monde qui attaque tout le monde. Attendez, hein. J'arrive. Ok, je suis là, excusez-moi. Ah là là. Bon, c'est Maki qui était là. Je vous explique du coup. C'est Maki qui était là, qui a voulu faire un passage. Sauf que y a Slam qui a voulu sauter sur le bureau. Et Slam, en sautant sur le bureau, bah, il a vu Maki, et ils peuvent pas se blairer. Du coup, il a eu peur, du coup, il est tombé, sauf qu'il y avait Sakura qui l'a réceptionné en bas, et qui l'a attaqué, et qui l'a griffé, et qui l'a... Putain, un enfer. Mon pauvre, il est en PLS. Parce qu'il est cardiaque. Il est cardiaque, et là, il est pas bien. Ça m'a mis un coup de pression. Ça m'a mis un coup de pression, c'était un enfer, là, autour de moi. Et j'aime pas ces moments parce que du coup, vu qu'il est cardiaque, Lichette, là, il est en train de respirer à mort, il en peut plus. Ça va, mon chat ? Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé ? A-t-on attaqué les deux ? Les deux en même temps, a-t-on attaqué ? Mon chat.
Bon, ça va. Il a l'air d'avoir plus de peur que de mal. Il est en PLS, il comprend pas ce qui lui est arrivé. Mon pauvre Bibi chat. Oui, pauvre Slam. Alors, bon, on en était où? Avant toutes ces bêtises. Devant. Alors, le fléau du Jarl. Le fléau du Jarl, il est votre. Le fléau du Jarl devrait être par ici. Encore des smilodons. Il y en a des smilodons dans cette région. Ça rime. C'est bonbon. Il est où? Qui dit? Il est près de l'eau. Oh, regardez un Spriggern. Un Spriggern. Une chèvre. Alors, il serait près de l'eau, normalement. Ah, ok, j'ai compris. Parce que le monsieur, il est pas du tout près de l'eau, au niveau de la map. Mais... devrait... oh, il y a un coffre. Déjà, on va prendre le coffre. Devrait y avoir une petite entrée de grotte, je pense. Fil à retordre ces ours, ces ursidés. Simple, bon, ça va. Je dis simple, il y en a. J'en mets aucun. Alors, où que c'est? Où que c'est où? Moi je dis, il y a une... voilà, regardez. Ah bah non. Allô? Là, là. Là-bas, là. Il y a quelque chose là-bas. Regardez. Il y a un troll. Il y a un troll. Monsieur le troll. Mourez. S'il vous plaît. Alors bien sûr, on poutre tout ce qui passe, mais avec bienveillance toujours. Hein. Regardez, il est là-bas. Le fléau du Jarl. Le fléau du Jarl, il est là-bas. J'aimerais bien le monter. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a même un livre. Bonjour. Du miel, non merci. Des livres, des... Eh, y a des trésors et tout, là c'est une petite caverne au trésor en fait. Le fléau du Jarl. Ah mais je pensais que ça allait être un corps ou un truc comme ça, mais non en fait c'est un instrument à cordes, j'ai l'impression. Le prochain, next. Next il serait là. Il est là. Il est à la tour de guet de Lestock. Donc on va y aller à pied. On va y aller à pied, tranquillou. Si jamais on croise une tempête active, on l'a fait. Hein. On l'a fait parce qu'on a les quêtes renouvelables. Hein. Bien évidemment, si on a le temps. Pia, ventre à terre. Si on a le temps, on le fera. Vous faites trop attention aux rumeurs et aux histoires de bonnes femmes. Ok, donc c'est par là. C'est par là-bas. C'est par où? C'est par là? Alors c'est parti. Vous êtes nombreux ce matin. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous sur le live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon lundi, un bon début de lundi. Et puis je vous souhaite votre semaine. Au-delà de vous la souhaiter bien, je vous la souhaite à votre convenance. Vraiment, comme vous l'entendez. Pia,
Allez, Kamel. Allons-y. Ventre à terre, comme dirait Miri. Notre charmante Miri. Notre charmante compagne. Enfin, compagnon, pardon. Compagnonne. Elle est là-bas, la Ture. C'est la Ture là-bas qu'on veut. Et dans la Ture, on va regarder. On va fouiller un peu avant de regarder exactement où elle est sur la Solus. Oui, les smilodons, tout ça. Alors, c'est où l'entrée? Déjà, où est-ce qu'elle est l'entrée? Ah, il y a un petit chemin, il y a un petit truc, donc peut-être par là. Oui, regardez. Regardez. Alors, bonjour. Bon, déjà, il y a un livre. Bon, on les connaît. On les connaît, les livres, parce qu'on les a tous. Mais on fouille. Il y a une petite... Hop. Moi, je fouille, hein. Moi, je vous le dis. Vous le savez, vous êtes habitués maintenant sur ce live. Oh, bah, il est là. Vous êtes habitués, hein. Moi, je fouille. Moi, je fouille parce qu'on peut tomber sur des jolis trésors. Yahar Fuzulja. Très jolie mélodie, hein. Très très belle mélodie. Donc là, c'était le 17 et le 11. Je m'en vais présentement les supprimer de ma petite liste. Et du coup, on est sur le 16. Le 16, il serait... Donc c'est le plus proche. Plus ou moins. À une vache près, c'est pas une science exacte. Le 16, il serait... Je fais des bisous à mon pied de micro. Il serait à Pont-Dragon. Ah ouais? Il serait à Pont-Dragon. Eh ben, nous allons nous téléporter à Pont-Dragon. Et regardez, on est accompagné de Trick. Toujours accompagné de Trick. La petite Trick. Ok, bon, on en a pas mal, là. On en a récupéré deux. Il est... 7h40. Donc, il y a moyen de tout récupérer avant la fin. Parce que si on récupère tout et qu'on a notre petite boîte à musique, c'est notre premier objet qu'on aura, notre premier meuble à mettre à l'intérieur d'une maison, qui fera du son, qui fera de la musique. Donc c'est trop bien. C'est trop trop cool, je la vois déjà dans la maison. Hein. Je pense que je vais la poser sur le comptoir. On a un petit bar, je pense que je vais la poser dessus. Après, je sais pas à quoi elle ressemble, si elle est grande ou pas. Ça se trouve, elle est trop grande. Il existe trois types de glyphes, pouvant être utilisés pour enchanter des objets. Armure, bijoux et armes. Merci le jeu pour ce tips, vraiment très intéressant. Bon, les glyphes, c'est pas trop notre dada. Les runes et tout, on court pas après. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça peut être intéressant. Quand on craft nos propres objets. Ce qui va arriver, hein, parce que du coup, le jour où on a les motifs Grisland, quoi que ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est soit on craft les motifs Grisland et on a des accessoires Grisland, soit on ne les crafte pas, mais on les applique en tant que skin sur nos objets que nous avons déjà. Donc, ici, qu'est-ce? Sous le pont, peut-être? C'est possible, ça, non? J'essaie de voir. Ah, là, regardez. Il est juste là. Le long feu. Quelle jolie mélodie! Oh là là! Ces douces mélodies qui emplissent mes oreilles. Donc, c'était le 16. Parfait. 3, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ce qui nous reste. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'on a à la surface? On a le 6 qui est là-bas tout à gauche. Le 9 qui est là. Le 7. Et le 8. Ok, donc ils sont un peu partout. On va commencer par Monsieur 6. Monsieur 6. Monsieur ou Madame d'ailleurs, je ne sais pas. Hein. Monsieur ou Madame 6 se trouverait ici. Donc je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit... dans le donjon. Vivre dans un
Et donjon. Monsieur 6, c'est l'ombre de Rajin. Alors déjà, j'aime beaucoup le nom. L'ombre de Rajin. L'ombre de Rajin est effectivement à l'intérieur de ce complexe. Donc on va prendre l'oratoire, mais on va aller d'oratoire à oratoire, bien évidemment. Car on a l'oratoire qui n'est pas loin. Il est juste là. Donc là, on est à Pont-Dragon, hein. Pour ceux qui connaissent Skyrim, ça a bien changé avec le temps, hein. Il y a beaucoup plus de bâtisses hein, maintenant. Enfin maintenant, dans Skyrim tout du moins. Ou faut-il que je là c'est des camps et tout. Mais Pont-Dragon est toujours là. Pont-Dragon a toujours été là. Ce Pont-Dragon magnifique. Alors l'oratoire. L'oratoire, on va se taper juste là. Tac. Et on va prendre une petite lampée de café. Des bons cafés à tous. Chercher des objets dotés de bonus d'ensemble, c'est vrai ça. Lorsque vous les portez avec d'autres objets du même ensemble, ils vous permettent, ils vous apportent, j'arrive pas à lire hein, aujourd'hui, hein. Ils vous apporteront, voilà, ils vous apporteront, c'est tout. Après, voilà. Prenez l'info, vous la prenez pas, mais vous plaignez pas. Hein. Pour une fois que mes chargements ne mettent pas 15 ans, ah, mon PC est en forme hein, depuis... Oh, de l'acajou. Parfait. Acajou, très beau bois à sculpter. Hein. Vraiment. Hein. Très très joli bois. Très très agréable à sculpter, l'acajou. Hein. Du coup, oui, mon PC est en forme aujourd'hui. Hier, il a géré le live et tout. C'est super bien passé. Tous les lives, toute la journée. Il est bien, ce PC. Il est bien. On va lui apporter quelques modifications... Et ce sera parfait. Donc, c'est effectivement à l'intérieur. Excusez-moi. C'est pas du tout agréable, hein. Je suis désolé. Petit raclement de gorge. Niche dragon. Et dans niche dragon, c'est... Oh ! Merci Robert ! Merci Robert Trifoux. Merci Rob. Merci d'avoir claqué ton prime. Énorme ! Merci beaucoup ! Merci énormément, merci du soutien. Ça me touche énormément. Je t'invite à rejoindre le Discord. Si tu n'as pas un compte Discord, crée-en un. Tu vas voir, c'est rigolo. Il faut prendre en main, hein. Il faut prendre en main, c'est particulier si tu ne connais pas. Mais si tu connais, ben parfait. Et sur le Discord, c'est là-bas que je partage un maximum les plannings... des infos exceptionnelles, plein de choses. Et quand vous êtes abonné à la chaîne Akirasham et que vous avez lié vos comptes, parce qu'il faut lier vos comptes, hein, lier le compte Twitch avec le compte Discord, et directement, vous allez avoir la notification, le rôle, la catégorie abonné, et vous allez avoir accès à des petites choses, des choses que je mets en place moi. Donc pour ceux qui sont abonnés, regardez, je vous les partage un peu. Ceux qui sont abonnés ont accès à des emotes. À des emotes accessibles directement dans le chat. C'est celles-là, là, regardez, elles sont toutes belles. C'est les emotes de la chaîne. Donc profitez-en. Profitez-en, les abonnés, profitez-en. Et encore bienvenue, et merci beaucoup pour le soutien. Merci énormément. Ça me fait énormément plaisir. Donc du coup, elle serait par là-bas, à ton Agder. Ouais, à ton Agder. Vite fait, voilà. On va poutrer un peu des trucs, là. Ouais, quand même. On est là pour poutrer des choses, aussi. Excusez-moi, hein. Pour les raclements de gorge, c'est pas du tout agréable. Là. Il y en a un qui est tombé. Normalement, ça devrait être là-haut. Elle est où, Miri? Elle est là. Eh, Miri, viens.
Regardez, c'est Miri. Pour ceux qui la connaissent pas, je vous présente Miri Elendis. Un c'est problème, Sarah? Et c'est notre crush, un peu. Ouais. On s'aime bien tous les deux, on se cherche un peu. Bon. Après, c'est ça, hein, on vit des aventures ensemble, voilà, toute la journée. À un moment, voilà, on crée des liens. Bon. On a un coffre là, c'est cool. Déjà, voilà, on va récupérer ça. Oh là! Et c'est un level 40! Seth aime les gens qui apprennent vite. On est passé level 40! GG à tous! Et on a gagné plein de cadeaux! Boîte de style. Ah oui, c'est vrai qu'on a, on a ça. Jetons de changement de tenue. Donc oui, ça je connais. Et là, c'est quoi? Prochaine étape, la grosse étape. Ah, arme au choix. Ah, c'est bien ça. Niveau suivant, on aura une arme au choix. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être avoir un arc plus puissant. Cette emote est magique. Clé des indomptables. Ok. Invitation à l'enclave des indomptables. Ok. Donc là, on va se prendre un point en magie. Même deux points en magie. Et on va prendre un point en vigueur. Tac. Que la magie des fois nous est pas mal utile. Travail du bois, ok. Travail de la forge, je vais récupérer. Je vais même en prendre deux. Dalidada, excusez-moi, je regarde un petit peu tout ça. Et après on continue notre aventure. Armure moyenne. Ah et non, culturel. Non, monde, escroquerie. Escroquerie, doigt agile. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le crochetage, ça. Non, c'est les chances de faire les poches. Ça, on veut. Voilà. Donc là, on a 10% de plus pour faire les poches. Ok. Et du coup, on avait gagné quoi? On a gagné ça. C'est quoi, cette chose? Une caisse contenant le style haillon du prisonnier. D'accord. On a gagné une tenue de prisonnier. Et ben c'est parfait. Ah non, c'est le style. Ah, c'est le style, carrément. Il est où? Il est là. Vêtements. Oh, j'ai envie de le porter pour rigoler après. Talon, pied, petite sandale, petite sandalette, et des menottes. C'est vraiment la tenue du prisonnier, quoi. Et puis il y a un autre style, hein. Il y a ça ou il y a ça. Et le pantalon, pareil. Il y avait ça ou ça. Bon, après c'est bleu comme ça, mais ça c'est parce que c'est moi qui, c'est ma couleur. Mais on peut changer les couleurs. Ok. Ok. La tête, vous avez pas vu ma tête? Ma tête elle ressemble à ça. Regardez comme elle est belle. Oh, elle est belle, celle d'elfe. Ok, donc nous on était à la recherche d'un packing instrument. Et l'instrument il est... Non, j'ai pas dit ok Google. Ok. L'instrument serait de l'autre côté là, non? Ou en dessous? En dessous là, non? Alors en fait, il serait là. Ah bah, il est là. En fait. L'ombre de Rail. Rude. Ok, donc ça, c'était le 6. Si je ne dis de bêtises. Non, je ne dis de bêtises. Donc c'est le 6. Hop. Donc maintenant, sur la map ici, on a le 9. Qui est pas loin. Le 9, on est d'accord qu'on l'a pas. Et le 9, c'est Magnétite de Kalizos. Magnétite de Kalizos. Il est à l'extérieur. Ok. Et il est exactement... Il est exactement... Alors, attendez... Là, il y a une petite bâtisse. Il est là. Il est là, là. Tac.
On peut se TP ? Oui, ça va, c'est pas trop cher. Ok. Ok, ça avance, ça avance. Ah, j'ai envie d'avoir le carillon, là. Si on peut avoir le... pas le carillon, la boîte à musique. Si on a la boîte à musique avant de finir... Oh ! Ce serait parfait. Ce serait parfait. Donc oui, sur le Discord, je disais, tout à l'heure, il y a plein de choses. En fait, un streamer, quand il stream, et qu'il a des abonnés, il peut mettre des avantages aux abonnés comme il a envie. Il peut gérer les avantages des abonnés. Et les avantages des abonnés, ça peut être par exemple faire des lives que pour les abonnés, le chat réservé que aux abonnés, ce genre de choses. Ça, c'est ouais. Y a plein de trucs comme ça. Moi, je ne l'ai pas. Ah, c'est pas que je ne l'ai pas, c'est que je le mets pas en place, moi. Parce que je veux que tout le monde participe dans le chat et que tout le monde voit mes lives. Mais on peut faire des lives privés pour les abonnés, c'est quelque chose de faisable. Et sur Discord, pour vous remercier, parce que bah, du coup, vous vous abonnez, vous claquez vos primes et tout, bah, sur Discord, moi, je vous fais des cadeaux. C'est pas... J'ai pas envie que ce soit vu comme « Oh, si on s'abonne, on a tout ça !» Non, c'est... Vous soutenez la chaîne, c'est super, et moi, je vous donne des cadeaux, parce que du coup, bah, ça me fait plaisir. Du coup, les cadeaux, c'est quoi ? Bah, on a un chan spécialisé, spécial pour les abonnés, et sur ce chan spécial pour les abonnés, bah, y a... des informations que je vous partage en avance par rapport aux autres. Par exemple, hey, telle date, il y aura ça, ça, ça. Ou je vous demande des avis sur des trucs que vous avez le pouvoir de voter en plus, du coup. Et je vous partage des vidéos exclusives. Les vidéos exclusives, c'est quoi ? C'est des vidéos très courtes que je fais peut-être des fois en début de live. Avant le live, avant de le lancer, des fois, j'allume la cam et j'allume tout pour voir si ça marche. Et des fois, bah, ça donne des moments assez drôles. Et du coup, il y en a déjà, là, dans les rubriques abonnés sur Discord, il y en a déjà. Donc je vous invite à aller voir. Et si jamais vous voulez lier votre compte Discord à Twitch, pour pouvoir bénéficier de tout ça sur Discord, c'est très simple, hein, c'est paramètres utilisateur, connexion, vous allez sur Twitch, et après c'est tout expliqué. Donc c'est très simple. C'est très simple, il y a 5 clics et puis après c'est fini quoi. Alors, il est par là-bas l'instrument, et c'est le Calizos, je sais pas quoi. Magnétite de Calizos, il est dans une espèce de bâtisse ronde. Alors là il y a un Urcidé, il y a des géants, il y a plein de choses là. On veut pas croiser toutes ces choses, on a peur. Oh non. Oh regardez, sa maman est morte. Il est tout seul. Regardez comme il est trop mignon. Oh, bichette. On pourrait abréger ses souffrances et le tuer. Mais on va pas faire ça. Après, je peux pas l'adopter, sinon je l'aurais adopté. Hein. Ah oui. C'est où ? On passe par les vampires et tout, là. Eh, venez, moi. Tchou. Voilà. C'est pour me venger de pas avoir pu sauver ce petit ours. J'ai perdu sa maman. Alors, c'est par où ? C'est par là ? Alors, c'est parti. Là, le moulin. Voilà, c'est le moulin qu'on veut. Le moulin, et il serait là-dedans, là, dans ce petit abri. Il est là ? Ah non, il est pas là. Il y en a un autre abri, un peu comme ça. Là. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il est là. Magnétite. Oh, ces petites musiques, ces petites mélodies, là. Moi, ça, vraiment, j'aime bien. Premier degré, hein, j'aime beaucoup. Ok. Suivant, next. Alors, tout ça en a. Nous, c'était lequel ? C'était le numéro 9. Le numéro 9, il est validé. Les amis, il nous en reste 4 à faire. 4, il y a le 7. Le 7, il est là. Non, mince, je m'ai trompé. Le 7, il est à côté du World Boss, qui est juste là. Il est exactement là. Bam. Et le 7, c'est... Le Dozen Tal Arpa.
Dozen Tal Arpa. Il est à côté de Min Dwemer. Là, ça fait un peu cher pour ce TP. Pour ce TP-là, ça va être un peu cher. Du coup, on va retourner à l'oratoire où on y va à pied. Regardez, c'est pas si loin, le temps d'aller là, de machin. Allez, on y va à pied. On y va même en camel. Let's go, camel. Allez, on va sauter cette falaise là, vous allez voir. On va voir notre chameau qui vole. Mais c'est un chameau volant. Hein. C'est un chameau volant, regardez. Il va mûrir. Hein. Il va tellement mûrir. On va vite maintenant. Hein. Et on ira plus vite encore dans le futur. Par contre, c'est pas un camel qui nage, alors faut pas aller très profond. Vivement qu'on ait notre vitesse à fond. Préparez-vous au combat. Vivement qu'on ait notre... Excusez-moi pour les raclements de gorge, hein. C'est très désagréable, je suis désolé. Vivement les raclements de gorge, C'est n'importe quoi. Vivement les raclements de gorge. Vivement qu'on ait toutes les capacités, toutes les compétences de notre cheval, de nos montures à fond. Comme ça on ira vite avec blinde d'endurance, on sera bien. Vivement les raclements de gorge, n'importe quoi. Bon. Allez, pas si loin. On a dit que c'était pas si loin, donc let's go. Alors là, il y a des chiens des enfers, là, ou je sais pas quoi. Hein. Les loups sanguinaires, c'est ça. Alors c'est par là. C'est par là. Il doit y avoir une structure de Wimmer ou un truc. Qu'est-ce que... Ah, mais c'est le World Boss. C'est le World Boss. On veut pas l'affronter tout seul. Hein. Nous, on a peur. Hein. Ah, c'est par là, ouais. Ouais, c'est par là. Bonjour. Bonjour. Ah, je le vois. Je vois le truc briller. Regardez. Trop bien. Tal Arpa. Tal Arpa, c'est un instrument norrois. Hein. Instrument de vieux norrois. Très bien. Donc, numéro 7, c'est bon pour nous. Il nous en reste 3. Alors, 3, 5, 8. 3, 5, 8. 8. Ok. 8. Et du coup, 3, 5, c'est dans les bas-fonds, là ? 3, 5. Ok, ça marche. Du coup, on va récupérer Monsieur 8. Monsieur 8, il est... Il serait là. Il serait par ici. On va aller avant, ici, là. On va aller profiter de l'oratoire qui n'est pas si loin. Ouais, on va profiter de l'oratoire qui n'est pas si loin. Et pour se TP à l'oratoire à l'autre bout du monde, là-bas. Pour avoir numéro 8, on a dit. C'est ça, numéro 8. Et je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. On va regarder ce que c'est le numéro 8. Allez, chameau volant. Ah oui. Ça, on aime beaucoup. Comme ça, on aime beaucoup. Hein. On aime beaucoup sur ce live. Lui, je l'aime beaucoup, ce bard là. Il joue devant les cairns pour les esprits, pour ou pour lui, tout simplement. Pour un être aimé disparu.
ou un être aimé qui est juste à côté là-bas, mais peut-être qu'il ose pas lui dire les choses. Mais on a envie de lui dire, vas-y, fonce mon gars, tu brilles. Fonce, va lui dire que tu l'aimes, avant qu'il ne soit trop tard. Que ça se trouve, c'est réciproque, et elle ose pas venir vers toi. Fonce! Oui, chaîne inspirante ici. Désolé, j'ai trinqué avec vous, avec ma tasse. Bon, numéro 8, c'est quoi? Monsieur 8, le clairon Léviathan Kotgringien. Oulala. Donc c'est à l'extérieur, c'est sur une bâtisse, c'est sur un bateau? On dirait que c'est un bateau. Un bateau naufragé. Donc il est là, on a dit. Ouais, c'est ça, c'est un bateau défoncé. J'étais fatiguée de marcher, de toute façon. Ah, Miri. Miri et ses commentaires. On t'aime beaucoup, Miri, sur ce live. Très bien. Allez, let's go. Let's go, let's go. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est celui-là. C'est celui-ci. Et ce serait... Ah, il est là. Vous voyez? Il était juste à gauche. On n'est jamais rentré là-dedans. Oh, une lucerne. Ah non, c'est une âme perdue. Désolé, j'ai cru que c'était une lucerne. C'est tout penché, hein. C'est tout penché ici. Oula, ça me donne... ça me rend pas bien. J'ai mal à la tête. Le clairon. Il est tout joli ce clairon. On peut pas monter là? Dommage. Oh dommage. Ok. Donc là on a tout. On a tout à la surface. Si on a tout à la surface, il nous reste le 5 et le 3. Qui sont... Bon, attendez, je vais fermer celui-là. Voilà. Le 3 et le 5. Ok. Donc le 3 et le 5, ils sont ici. Il y en a un là. Et il y en a un par là. Ici. Par là, à peu près. Donc on va aller d'abord à celui-là. Hop. Qui est le 5. Je vais regarder ce que c'est pendant le chargement. Alors, numéro 5. Numéro 5, c'est le Dizzy de Haut-Deuil. Le Dizzy de Haut-Deuil. Et le Dizzy de Haut-Deuil, il a l'air d'être dans... Alors, il est à l'intérieur. À l'intérieur de quelque chose. Et la qualité de l'image est... monstrueuse. On ne voit rien. Alors, je crois qu'il est là, le monsieur. Oui, si, son repère, il est là. Ok, on voit rien du tout. Là. L'image est très... est très basse en résolution. Le Dizzy de Haut-Deuil. J'allais dire, il a l'air d'être dans une caverne, mais bon... on est à Griffe Noire, quoi. À Griffe Noire, c'est de la caverne, hein, donc... Donc compliqué, mais la map est à l'intérieur de quelque chose. Du coup, c'est... Et j'arrive pas à voir le titre de l'endroit. Parce que du coup, la qualité est très médiocre. Mais c'est pas grave. On sait l'endroit à peu près où c'est, donc on va trouver. On va trouver. Ça doit être à l'intérieur de Morostel. Parce que c'est à côté de Morostel, donc il y a des chances. Il y a des chances. Griffe Noire, un domaine légendaire et oublié qui s'étend sous bord de ciel, cache de terribles créatures et des secrets plus sombres encore. Les cavernes sous le bord de ciel occidental comprennent Griseland, Morostel, la grotte de la Lune Noire et Soirville. Oui, Soirville. On connaît Soirville. Et on connaît Morostel aussi, parce que Morostel, on a galéré à trouver l'entrée.
Ok. Parfait. Et oui, du coup, il y a Robert. Robert qui a rejoint le Discord. Allez, petit PC, je sais que tu peux le faire. Désolé les gens, il n'y a plus de son. C'est très calme. Très très calme. Hop là. Ok. Morostel. Pas Morostel. Grisland. Du coup, on a dit que ce serait par là. Il y a de grandes chances que ce soit à l'entrée de ça. Ou pas. On va aller voir, on va aller voir ça. Alors bonjour Grisland. Je vais passer par là. Je vais passer par ici. On verra. On verra, on verra. C'est déteint ça? Oui. Tombé quelque part. Est-ce que ce serait l'endroit? Ah, c'est pas du tout l'endroit. Ok, c'est pas du tout la map. Hein. On va essayer de sortir de là. On va voir. On va un peu n'importe où et on verra. On verra où ça nous mène. C'était les derniers? Vex soit loué. Les Miri n'aiment pas les insectes. Essayer de sortir de là de manière logique. En passant par les endroits logiques. Donc là, ok, on sortirait par là-bas. Donc là, ok. Donc on est sorti de là, très bien. Le Dizzy de Haut-Deuil. Attendez, je regardais quand même. Le Dizzy de Haut-Deuil. Parce que du coup, je sais pas où c'est. Et j'arrive pas à savoir où c'est. Parce que du coup, la qualité. Entre les ferrailles. Ok. C'est où ça? Entre les ferrailles. Lilou qui nous a fait. Hello there. Hey, coucou mon Clem. Comment ça va mon Clem? Est-ce que tu as la forme? Désolé, il n'y a pas le son du jeu. Comment vas-tu? Ça va? Ça va très bien. On est en train de chercher les instruments. Il nous en manque deux et on est bon. Et aujourd'hui, il y a la maintenance à 9h, donc on essaye de se dépêcher. Donc à partir de 9h, 9h30, c'est ciao, bye bye, quoi. Ce sera un petit live, mais c'est pas bien grave. J'essaie de comprendre où est l'entrée. J'arrive pas à savoir où est l'entrée. Entre les ferrailles, s'il vous plaît.
Hey, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Zeki le Vulpipin. J'espère que je le prononce bien. Bienvenue à toi, merci pour le follow. Merci énormément. Merci énormément, alors que ce live de qualité coupe le son et du coup on n'entend rien. Ready pour 40 minutes de jeu? Bah ouais, écoute. Alors ready, après on a commencé tôt. Hein. On a commencé à 7h, donc ça va, on a un peu plus. Mais effectivement, avec la maintenance à 9h, c'est compliqué. On est le seul streamer à streamer du Tezo le lundi alors qu'on sait qu'il y a la maintenance. Hein. j'essaie de trouver l'entrée là. Où est-ce que c'est? C'est ça? Mais non, c'est pas ça. 5. Le tertre aux minuit. Les ferrailles. 6. Les ferrailles, c'est 6, c'est là-bas. C'est pas du tout là-bas. Mon rostel. Dazadi, ok. Surtout que les maintenances Tezo, bon. Oui. On est d'accord. Mais bon. Maintenance quand même, quoi. Maintenance quand même. Les ferrailles, les machins là. Entre les ferrailles. On n'y a pas avec ça ici, non. Hola étranger, bienvenue dans ma boutique de potions. Du futur. Exactement. Merci de souhaiter la bienvenue comme il se doit à Zeki. Merci encore pour le follow. Merci encore pour le follow. Donc du coup, je sais pas où c'est. Je me tâte à aller J'aurais chercher. Peut-être dû rejoindre ici, les exaltés. Ici, on n'aime pas cet endroit. À chaque fois ici, moi, je me perds. Hein. Je me paume ici, moi, j'aime pas D'accord, du tout cet endroit. Mais ne venez pas pleurer. J'aime pas du tout cet endroit. Par où je passe, moi? Alors, on a entendu la petite Nixad. Je sais pas si vous l'avez entendu. Merci Clem. Oui, n'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux. Si tu veux, bien entendu. On n'oblige à rien. Mais si tu rejoins le Discord, tu auras l'information en direct. Si jamais il y a un live d'annulé, si jamais tu veux avoir accès au planning. Et au-delà de ça, on s'amuse bien. On s'amuse bien et c'est bien drôle. On partage plein de choses aussi. Plein de conseils Tezo, on partage plein de choses, de l'art, de la ça musique. Ça les dérangerait de s'enfuir? Non mais je vous jure. Plein de trucs. Ils devraient essayer de temps en temps. Où est-ce que je passe moi? Alors là c'était l'entrée, là il y a une sortie. Ah. Ah, ah. Le Dizzy de Haut-Deuil, oui. Mais le Dizzy de Haut-Deuil, il est. Entre les ferrailles. Et entre les ferrailles, je sais pas où c'est. C'est fou, hein. J'arrive pas à trouver comment rentrer, quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher l'autre. L'autre, c'est le 3, et il est là. Ok. Le 3, il est là. Il est ici. Pourquoi mon marqueur se met pas? Bon. Le jeu est pété. Le jeu est cassé, les gens. Comment je fais pour aller là, moi? Donc il est là. Donc il faut rentrer là-dedans. Et pour rentrer là-dedans, il faut aller là. Et pour aller là, il faut aller là. Boum! Allez! Donc je vais d'abord aller chercher lui. Et puis après on verra. Et d'ailleurs, les gens, on a passé les 75 followers, hein. Et 75 followers, c'était quoi? C'était le... faire un live guitare, hein. Faire un live où je vous fais un petit concert privé à la guitare. Du coup, bah, on le fera soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc je vais annoncer ça sur le Discord. Donc restez connectés. Restez connectés. Du coup, je sais toujours pas où c'est, moi. Entre les ferrailles. Monsieur et madame, entre les ferrailles, s'il vous plaît. Désolé, il n'y a plus de son du jeu. C'est normal, c'est parce que je suis plus sur le jeu.
On a la liste des antiquités, tout ça, tout ça. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux juste savoir comment on fait pour rentrer dans... entre les ferrailles, quoi. Il y a des gros camions dehors. C'est même pas des gros camions, c'est des bus. Et des bus qui se courent après. Ok. Ok, moi j'aimerais bien savoir comment on y va, s'il vous plaît. C'est dingue, hein. Ah, j'ai vu un truc. C'était peut-être ça. En plus, mon PC rame un peu, vu qu'il est en chargement. Carte de bord de ciel occidental. Alors, comment on fait ? Faut aller là. Bon, je vais voir. On va déjà prendre celui-ci. On va déjà aller à celui qui est là-bas. Et puis on verra. On va déjà choper lui, et puis après... Il nous en restera qu'un. Hein. Il nous en restera qu'un. Est-ce qu'on l'aura avant la mise à jour ? Avant la maintenance, pardon ? Connecté pour avoir la réponse. Parce que même moi je la connais pas. Alors moi je pense que je vais rester connecté. Après vous, bon, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Hein. Et du coup c'est ce que je viens de dire. Pourquoi tu répètes ce que je viens de dire? Pourquoi tu remets à l'écrit ce que j'ai dit? Faut pas faire ça. Le pauvre. Ok, c'est par là en fait. Il faut faire le tour. Merci quand même, hein, Clem. Hein. Merci quand même, mais bon. Voilà, je l'ai dit. Peut-être que tu veux faire un travail de sous-titres. Eh ouais, on va mettre des sous-titres en place, c'est toi qui les écriras en direct. Quand je dis quelque chose, tu l'écris. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Attention, on va pas se lancer des idées farfelues comme ça. Et sinon, on n'a pas fini. Ok, ah oui, on rentre dans le donjon de... Ok. Je vais regarder là. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Le donjon de l'univers. De toute façon, ils ont tous un nom un peu comme ça, du coup, bah, pour moi, c'est le donjon de l'univers. Alors, là, on a dit, c'était quoi ? Pourquoi les maps ? Ah, c'est bon. Carte C1, carte C2. D'accord ? Et du coup ? Allô ? Comment ça, carte C1, carte C2 ? Ah, c'est les cartes au trésor. Ok. Donc là, on a dit que c'était par là. Ah oui, c'est ce fameux endroit, là. Oui, c'est vrai. Ce fameux endroit. Il y a un joueur avec nous. Allez, nous, on rush un peu. On n'est pas là pour... hein. Donc, voilà. Bonjour, excusez, je passe juste, vous inquiétez pas. Je fais un Leroy Jenkins. Leroy... Ça va par là, c'est ça? Pardon, puisque non. Je vais mourir, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des... Bon, c'est bien, du coup, j'ai plus l'aggro. Du coup, je peux pas rentrer là? Si j'ai l'aggro, je peux pas rentrer, c'est ça? Ouais, c'était ça. Salle des commandes de...
Allez, c'est parti. Donc c'est en face là-bas. Et en face là-bas, on y accède en faisant le tour, je crois. Je crois qu'il faut faire le tour. Donc faut passer à gauche. Ah, on peut pas sauter ? Really ? C'est dommage ça, qu'on puisse pas faire ça là. Ça, ça me frustre beaucoup. Ça me frustre énormément ça, moi. Du coup, oui, il y avait ça, et il fallait passer de l'autre côté là-bas, c'est ça. Oui, Zeza. Zeza. Le complexe de Nutri. Et là, c'est à droite. Et là, c'est là-bas. Comment ça? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est bon. On est là. Allez, on y va. Parce que là, il y a des failles temporelles, il y a des trucs, là, c'est un bordel, tout ici. On se souvient. On se souvient de cet endroit, c'est un enfer. Bonjour, je ne fais que passer, hein. Vraiment. Ils en ont après nous. Faites pas attention à moi. Merci. Je crois que je prends le coup de main. Ils ont peur. Je ne devrais sans doute pas en être fier. Ah oui, la grosse tortue là. Ah, la poutrée quand même. Ne vous arrêtez pas. Faut payer des trucs un peu. C'est quand même le lac de la souffrance. Ok, donc là c'est tout droit. Roulez si vous pouvez. Ok. Encore des trucs à poutrer par là-bas. Évidemment. Nos chances de survie ne sont pas au beau fixe. Ok. Et on a dit que c'était où ? On a dit que c'était par là-bas. Alors où exactement, je ne sais pas. On va chercher un peu, mais ça devrait être par là. Ça devrait être par ici. Alors, est-ce qu'il est là? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Là-dedans, peut-être? Non. Ici? Non. Ici? Là non. Il est peut-être en bas? Ah, il est là. Le luth du désir bleu. Parfait. Donc ça, on l'a. Maintenant, eh ben, c'est l'autre. Donc ça, c'était... Ça, c'était le 3. Donc le 3, je le barre. Il ne nous reste plus que le 5. Le 5 qui est... Le Dizzy de Haut-Deuil, le fameux. Qui est à un endroit... L'antre des ferrailles. Donc le 5 il est bien là, on est d'accord.
Il y avait... Ok. Je réfléchis un peu à comment accéder. On va aller là. On va passer par le haut. On était passé pour l'éclat céleste. Et quand on est à l'éclat céleste, on voit où est-ce qu'on peut, où est-ce que ça pourrait nous mener. On voit. Et on verra. On verra réveiller. Parce que du coup, j'aimerais beaucoup qu'on le finisse quand même. J'aimerais beaucoup qu'on finisse ça avant la maintenance. Ce serait parfait. Ce serait plutôt parfait. Surtout que c'est le dernier, quoi. Entre les ferrailles. Ou sinon, c'est l'accès qui est... L'accès de Morostel de l'autre côté. Mais non, c'est pas celui-ci. Ah zut, j'essaie de comprendre. Hein. J'essaie de comprendre où c'est tout ça. Parce qu'il y a l'air d'avoir un seul accès. Non, deux. J'essaie de comprendre la map malgré la résolution qui est quand même un peu réduite. Désolé hein, s'il n'y a pas le son du jeu, les gens. Je suis navré. Donc, si on passe là-haut, comme si on allait chercher l'éclat céleste. Attendez, je vais réparer un peu mes... Et du coup, Kobe nous avait donné plein de choses, dont des kits de réparation, donc autant les utiliser. Ils sont là pour ça. Comme ça, on répare tout, là. Voilà. Comme ça, on est protégé à fond. Donc là, c'est en bas, là. C'est les espèces de mines, là. Si on continue en haut, on va avoir accès à l'éclat céleste, normalement. Regarde s'il n'y a pas d'accès sur les côtés, à des endroits, à des machins. Donc là, c'est le haut de la cascade. Et c'est là où il y avait... Ah bah il est là! Quoi? Fluide de pan de... Mais c'est pas ça? C'est pas ça du tout. Attendez. Est-ce que... Pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout. Elle est tellement classe avec cette armure. Ouais, t'as vu. Très belle. Là, je sais pas où ça va. Là, il y a l'éclat céleste, du coup. On a trouvé un truc, mais c'est pas ça, hein. C'est pas le Dizzy de Haut-Deuil, hein. C'est au même endroit, mais c'est pas le Dizzy de Haut-Deuil. C'est très bizarre, hein, parce que du coup, c'est exactement l'emplacement sur la map. Mais c'est pas ça. Et le Dizzy de Haut-Deuil, ils disent que c'est entre les ferrailles, avec un A entre les ferrailles. Mais entre les ferrailles, j'arrive pas à savoir où est l'entrée. C'est dingue, hein. C'est dingue. Alors attendez, essaie de me concentrer. Entre les ferrailles, où est-ce qu'il est ? World boss, tatati, tatata, entre les ferrailles. Il n'y a pas du tout... Il n'y a rien. Ah, le guide. Ouais, guide de zone, tac, 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 machin, ok, très bien, super. Je cherche la map et elle n'y est pas. Super, bon, bah top. Six et cinq.
Donjon public. Les ferrailles. Entre les ferrailles. D'accord. Les entrées et donjons publics. 6. Il n'y a pas de numéro. Il y a un 6, mais il n'y a pas de numéro. Ah si, c'est bon. Les ferrailles, 6. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. Ça se trouve, la map est pétée. Hein. Parce que les ferrailles, c'est là. Je vais me TP là et je vais voir. On va aller aux ferrailles. On va rentrer dans les ferrailles. Ça se trouve, c'est là-bas. Or et bleu, comme ça, j'adore d'ailleurs. C'est un petit côté Rescue Armure de PPR dans Endgame. A votre avis, pourquoi je l'ai mis or et bleu comme ça? Alors le bleu déjà, c'est un bleu qu'on a gagné en finissant les quêtes de Vardenfell. C'est le bleu de la protectrice de Vardenfell, de Vivek. Champion de Vivek. Mais... en quel honneur je l'ai mis bleu et jaune or comme ça? En quel honneur? Est-ce que vous l'avez? Ah, le tel, comme par hasard. Je pose un dilemme, et il y a le téléphone qui sonne. Pour ceux qui ne l'ont pas, ou qui cherchent, c'est d'actualité. C'est clairement d'actualité. Donc, entre les ferrailles, en théorie, bah c'est là-haut, et c'est le 4 du coup, c'est tout pété. C'est tout pété, parce que le 4 c'est le luth du désir bleu. Ah non, mais en fait je m'ai trompé. Flûte de Pan. Ah non, mais en fait c'est moi qui me suis gouré. Donc la flûte de Pan de machin truc, c'est celle qu'on vient d'avoir. Non, je n'ai pas donné la réponse. J'ai juste dit que c'était d'actualité. Parce que du coup, le 5, bah le 5 c'est tout, c'est bon, bah du coup on l'a en fait. En fait on a tout. En fait on a tout, alors je vais me TP à Solitude. Normalement on a tout. Ouais c'est pas grave, on paye. Non mais je paye pas, je suis bête. Putain je suis con, je suis un oratoire. Je suis vraiment bête hein. Bon ça va, je suis pas si bête parce que du coup je me suis rattrapé. Hop. Oui c'est pour l'Ukraine. C'est les couleurs de l'Ukraine. C'est en soutien à l'Ukraine. Je me suis mis aux couleurs de l'Ukraine parce que bah Ukraine quoi. Salut la Madras TV. Comment vas-tu? Tu as la forme? C'est très bien. Parce que il y a eu une marche qui a été faite en Cyrodiil par des serveurs allemands, et après bah, y a eu tellement de monde que ça s'est fait sur d'autres serveurs. En fait, les gens marchaient dans Cyrodiil, qui est une zone PVP, où on peut se buter et se mettre sur la gueule, et ben du coup, ils marchaient tous, ils étaient en mode marche, et ils marchaient de manière pacifique dans tout Cyrodiil, sans armes. Il y avait juste les mages heal qui avaient leur bâton et qui healaient le groupe, c'est tout, et ils marchaient de manière pacifique et puis du coup ça s'est fait sur des serveurs, ça s'est fait de manière mondiale, et du coup il y a eu un hashtag pour ça, je n'ai plus le hashtag exact. Askemar serait là, il l'aurait partagé tout de suite, ou si quelqu'un d'autre là, partagez-le, il n'y a pas de souci. Et du coup, y en a quelques-uns qui étaient aux couleurs de l'Ukraine. Et du coup, je me suis dit, mais oui, le bleu de Vivek, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Et puis, y a des vidéos qui tournent hein, sur YouTube, avec le hashtag, du coup, que je n'ai plus. Et je l'ai partagé sur le Discord. Allez voir dans la rubrique Tezo. Je l'ai partagé dans Partageons...
Et c'est plutôt sympa, c'est vraiment, c'est cool. J'adore, c'est des good vibes. Bon, bien sûr, il y avait des trolls qui sont venus et qui ont foncé dans le tas, et voilà. Et bon, ils se sont fait recevoir, et puis voilà. Mais c'est des good vibes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et... Du coup, j'ai mis un jaune, voilà. J'ai mis un jaune, voilà, un jaune pas terrible, c'est pas un jaune or qui brille, mais j'aurais aimé que ce soit un jaune brillant. Mais voilà, pour la symbolique, j'ai voulu me mettre au coureur de l'Ukraine. Et je trouve que ça va très bien, mon perso. Elle est toute, toute flambante. Vous êtes sûr qu'on ne risque plus rien? Et vous avez vu les dégâts que la tour du loup a subi? Oh, c'était il y a un moment. Tout va bien se passer. Oh, c'était il y a un moment. C'était au début, quoi. C'était au début. Donc normalement, on a tous les instruments, là. Hein. Ah ouais? Ok. Normalement, on a tout. Normalement, on a tous les instruments. Donc on va voir. On va mettre ça en place. On va voir s'il nous manque quelque chose. S'il nous manque rien... Ben feu. Ah, est-ce qu'on va avoir un dernier instrument qu'il faut récupérer comme les frottis on avait fait? Ah. Peut-être pas, on va voir. Parce que la dernière fois, on avait rassemblé tous les frottis, après on avait vu le gars et il a dit « Ouais, il y a un dernier frottis à aller chercher. » Il y avait une quête. Là, il est... Toujours un pourboire. Il est 40, donc s'il y a un truc c'est comme ça à faire... C'est eux qui décident qui sont les criminels et qui sont les héros. Écoutez les mélodies. Qu'est-ce que... Eh oui, la Madrasse TV. La Madrasse TV qui claque son prime sur la chaîne Akirasham et ça fait 2 mois. Bon 2 mois à toi. Joyeux mon anniversaire. Et merci encore. Merci encore pour le soutien. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui avait baissé la luminosité et les contrastes au minimum. Il était tout sombre, tu voyais plus rien. Après, peut-être qu'ils ont fait ça pour leurs yeux. Parce que du coup, ça leur niquait la vue. Et toi, maintenant, t'as niqué la vue de tout le monde. Bravo. Donc merci à la Madrasse TV pour ton 2e mois. Merci énormément. Donc là, je crois qu'on a tout. Hein. Vous avez trouvé et exposé la magnétite. Ok, très bien. Triomphe instrumental. Succès déverrouillé. Faut parler au monsieur maintenant. Ah, c'est un grand jour pour le Collège des Bardes. C'est vrai. À mesure que vous remplirez le musée, les bardes du monde entier viendront à Solitude. Vous avez réussi. Et voilà. Regardez-les tous, exposés, prêts à être joués. Le maestro... Ah, il y a de nombreux endroits au Collège des Affiches. Non, il y a de nombreux endroits au Collège des Affiches. Dans... Donc faut débuter un scalpa. Un sale cap à cap. Un sale cap. d'accord. Coller les affichettes. Allez, une petite quête. Le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour nous tous. Le plaisir est pour nous tous. C'est un plaisir partagé. Et c'est ça qui est beau sur cette chaîne. Donc merci. Merci vraiment. Oui, car tu forces dessus. Ok, d'accord. Mais eux, ils se sont dit « Ah, c'est trop lumineux, ça fait mal aux yeux. » Bah du coup, ils l'ont baissé, tu vois. La compréhension, Clem. Et je le dis à tout le monde à chaque fois. Essayez de comprendre ce qui se passe en face. Il y a quelque chose que vous rebute. Parce que quelqu'un a fait quelque chose. Ok. Au lieu de l'insulter et de dire « Ah mais ils sont complètement cons d'avoir fait ça et gens et machin. » Essayez de comprendre pourquoi les gens ils ont fait ça. Parce que les gens ils ont fait ça dans leur intérêt.
Ils ont fait ça dans leur intérêt et ils ont fait ça. Il y a une raison pourquoi ils ont fait ça, les gens. Donc si t'arrives devant un écran qui est tout sombre et qui est tout déglingué, comprendre. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui est venu et qui s'est dit « Ah là là, ça fait mal aux yeux. La personne ne comprend pas. Elle sait pas que si elle baisse la luminosité, eh ben, elle va forcer peut-être dessus avec sa vue. » Non. Elle regarde, elle dit « Oh là là, ça fait mal aux yeux, c'est trop lumineux. » Vous êtes sûr qu'on ne risque rien ? On baisse. Ah là, c'est mieux. Et vous avez vu les dégâts. Elle, dans son intérêt, elle l'a fait. Après, voilà. Le jugement. Le jugement et la compréhension. Essayez de comprendre pourquoi les gens y font les choses. Voir le point de vue des gens. C'est très intéressant, je trouve. Ah, carrément, ouais. Oui, ça se trouve, le truc était de base comme ça, et puis... Ça se trouve, il y avait quasiment... Ouais, carrément, c'est possible aussi. Ça se trouve, il y a personne qui a fait ça. Hein. Ça se trouve, le truc était de base comme ça, et puis... Et puis personne savait qu'on pouvait le régler, et au final, toi, t'as arrangé tout le monde. Bien sûr, c'est possible aussi, complètement. C'est possible aussi. Et merci de le souligner. Merci de souligner que c'est potentiellement personne qui a fait ça. Affichette. Où ? Là. Voilà. Une troisième. Une quatrième. On l'a mis où, l'affichette ? Dans 15 minutes. Ah ! Le jeu est en train de nous foutre la pression, ça y est. Dans 15 minutes, le méga serveur va redémarrer. Vous ne pourrez plus jouer. Chez. C'est le jeu, hein. C'était ce qui a écrit, c'est écrit. Je sais pas si vous avez vu. C'était écrit comme ça, après bon. Ok, c'est bon. Retournez au collège des bardes. D'accord. Je suis sûr que vous avez une pièce pour moi. C'est où ? Salutations à... Ouvrons le sac. Ouais, on a gagné la boîte à musique. On a gagné la boîte à musique. Et on a gagné des claquettes. Oui, et accordé. D'accord. Grande aventurière du bord de ciel occidental. Oui, on a réussi le bord de ciel occidental à 100%. Les gens, trop bien, je suis trop content. Alors, on va aller à la maison. Avant que ce soit fini, on va aller à la maison. Comme ça, je vais vous montrer la belle maison communautaire. Pour ceux qui ne l'auraient jamais vue. On va garder la maison communautaire. GG, merci beaucoup, Rob. Merci beaucoup. Je suis trop content. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fini le bord de ciel occidental. Maintenant, on va aller au bois noir. Pourquoi le bois noir ? C'est mortel ! Ouais, c'est mortel ! Merci, merci, merci beaucoup. Et on va aller au bois noir et on veut faire à 100% le bois noir parce que nous, on aime bien faire les trucs à 100%. Du coup, on va faire à 100% le bois noir. Pourquoi ? Parce que quand on a fait 100% le bois noir, on peut acheter la maison bord de l'eau. Et la maison bord de l'eau, elle est trop belle, et on aimerait step up de maison pour la maison communautaire de la guilde. Et nouvelles emotes, et oui, les nouvelles emotes, la Madras TV, profitez-en, hein, vous êtes abonnés les gens, allez-y. Effectivement, nouvelles emotes, parce que du coup, nous sommes passés à 18 abonnés maintenant, grâce à toi, la Madras. 18 abonnés, c'est pas mal, hein. On est bien hein, quand même. Hein. 18 abonnés sur 79 followers, on est bien, hein. c'est une belle moyenne. Hein. Donc oui, donc on a 17 abonnés, ce qui veut dire que qu'on a débloqué à 15 abonnés une nouvelle emote. Donc oui, il y a la petite emote hype plus les emotes girl power. Regardez, c'est notre maison. Alors attendez. Parce que du coup, nous, on fait les choses bien. Quand on rentre à la maison, on s'habille. Voilà. On s'habille toujours. Et regardez notre petite elfette, comme elle est toute mignonne. Donc, voici la maison communautaire. Et la maison communautaire, du coup, quand on aura fait le bois noir et qu'on aura rassemblé assez de sous, du coup, ce sera dans un petit moment, hein, et bah, du coup, on va acheter bord de l'eau. Et cette maison restera bien sûr dans notre cœur, hein, évidemment, parce que c'est la communauté qui l'a achetée, rappelez-vous. La communauté s'est rassemblée et a payé cette maison. Hein. Ils nous ont envoyé plein de PO et tout pour pouvoir acheter cette maison. Donc là, on a les dortoirs, on a à l'extérieur aussi un extérieur, tout simplement, qu'on ira voir après avec la map de Morrowind.
Et là, bah, c'est des meubles qu'on a craftés, que les gens ont donné. Enfin, c'est... Voilà, c'est vraiment... C'est vraiment la maison communautaire. Et... Eh ben, on ira step up en achetant Bordelot quand on pourra, qui est une plus grande maison. Et on fera des chambres, on fera plein de trucs. Et une petite salle de réu, on va faire une... on va faire une salle... Une salle très intéressante aussi. Bon, on va faire plein de trucs. Parcourir la boîte à musique, la joyeuse hydromélière. Trop bien. À quoi ressemble cette boîte à musique? Oh, elle est toute belle. Elle est très mignonne. Active. Trop bien. C'est trop cool. Donc on va la placer. Elle est grande, hein. C'est une grosse boîte à musique. MDR, la boîte à musique. C'est MDR. C'est vraiment MDR, la boîte à musique. où est-ce qu'on la met? Les méga serveurs redémarrent dans 10 minutes. D'accord. Je vais la mettre là. J'aimerais bien la mettre là. Hop. On va même la décaler un peu. Tac. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter? Conservatoire, des buissons brûlés. Non, merci. Tac, les montures, non. Et suite, on a... Ah oui, on a le... Ça, c'est le lit d'Ella, ça. On le garde pour la grande maison. J'imagine trop un bon vieux jumpscare à la fin de la musique. Hop, on l'active, bien sûr. Voilà. Trop bien. Notre premier objet qui fait du son. Trop content. Trop content. Je vais vous montrer l'extérieur un petit peu. La cour de la butte aux corbeaux. Regardez-moi cette maison comme elle est belle. Elle est-il pas belle, cette maison? Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Oui, Clem, quand il voit le feu de joie, il ne peut pas s'empêcher. Désolé. Donc là, on a le petit coin pour discuter entre nous, sous l'arbre. Sous l'arbre ancestral. C'est tout mignon ici, hein. C'est trop chou, j'adore cette maison. J'adore cette maison. Et là, c'est la map de Morrowind. C'est ça, se poser sous l'arbre avec un bruit de remel, exactement. Donc là, c'est la maison, c'est la map de Vardenfell. Qu'on a gagné en faisant le 100% de putain. en faisant Vardenfell à 100%. Donc voilà, donc on a un objet 200% de Vardenfell, on a un objet 200% de bord de ciel, notre belle petite boîte à musique là. Donc maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire go 100% au bois noir. Et pour faire le 100% bois noir, et ben on va commencer. On va commencer tout de suite à stepper au bois noir. Donc le bois noir c'est où déjà? J'oublie tout le temps, hein. Je crois que c'est par là, non? Le bois de grand. Non. Le couchant. Glenumbri. Fendre tour. Havre tempête. Rodgar. La crevasse. Redelorn. Bancoré. La brèche. Estmarush. Les éboulisses. Fangeombre. À droite en bas. Ah, du coup, j'aurais pu faire toute la map. En fait, j'allais faire toute la map et j'allais finir par là. Tourbevase. Le bois noir.
Merci beaucoup, la madrasta Vei. Et on a tout ça à explorer. Wouh! Donc, on se TP à l'Isenvudi. Et on va commencer. Enfin, on va commencer. On va pas commencer aujourd'hui. Mais on va déjà prendre pied, quoi. On va visiter un peu, on va regarder où sont les ateliers d'artisanat, tout ça. Histoire de se familiariser avec l'environnement. On sait où est l'écurie, déjà. Parce que du coup, on a une petite elfette des bois, pardon. On a une petite elfette des bois qui... Enfin, sur notre compte, on a une petite elfette des bois. Nouvelle zone, enfin. C'est ça. Nouvelle zone. C'est trop cool. On a une zone en plus à notre actif. C'est trop bien. C'est trop cool. C'est trop cool. Le bois noir, à cheval sur le grand Niben, est étendu à l'est jusqu'au marécage de la patrie argonienne. Le bois noir est le portail maritime de Cyrodiil. Un territoire précieux, mais dangereux, auquel les Khajiits, les Argoniens et les Impériaux sont tous autant attachés. J'espère qu'il y aura moins de cavernes. Moi aussi. Parce que, à force de faire des cavernes, que ce soit en Vardenfell ou en bord de ciel, parce qu'il n'y a que ça, eh ben, je vais devenir claustrophobe. Hein. Il paraît qu'en Elsewhere, c'est mieux. Les donjons et tout, il paraît que c'est un peu plus en plein air. Donc vivement l'Elsewhere. Mais là, ici, on veut le faire absolument, le bois noir. Parce qu'on la veut, cette maison. Elle est trop bien. Bord de l'eau, elle est trop bien. En maison communautaire, elle est trop cool. Donc ce sera absolument la maison de guilde. Il y a des chambres et tout. Il y a un extérieur qui est trop mignon. Donc c'est... On la veut absolument. Hein. Ah bah oui. Ah bah 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 oui. Ah bah 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 oui. On n'a pas de chat aujourd'hui. Enfin, il y a... Ah non, il s'est transformé. Oh zut. Voie 1, attention. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Passage d'un train. J'écris un monstre. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention, passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Vu que c'est trop long, un peu d'ambiance. Bah merci. Et il est sympa ce modo, hein. C'est un modérateur, hein. C'est un modérateur et il dit que sur mon live on se fait chier. Que je mets pas l'ambiance. Non mais super. Alors merci de rien. Au revoir messieurs dames. Comment on fait pour retirer un quelqu'un de modo, de modérateur? Alors. Donc. On est où là? On est là-bas. Le palefrenier, le maître des écuries, est là. D'accord. Alors attendez, on va se changer. Voilà. On va se mettre en mode aventure quand même. Mais non, heureusement que t'es là, frangin. Allez, allez, regardez, vous avez vu? Il se rattrape. Il se rattrape comme il peut, mais... Donc, le maître des écuries est par là-bas. On le sait déjà, mais c'est très bien à savoir et à le repérer. Regardez. Un ours monture. Bonjour monsieur le maître des écuries. Il n'y a pas que des chevaux qui passent par ici. Et je sais soigner toutes les montures. Bien sûr, un destrier ne vaut que par son cavalier. C'est de toute beauté. Savez-vous tenir en selle? Oui, je sais tenir en selle. On est à 17% du coup. 17%, c'est parfait. Maximum de 60%, d'accord. On fait ça, puis après on fera ça, puis après on fera ça, puis on verra, et ainsi de suite. Acheter. Non, je veux pas acheter un cheval. Ok, donc là, c'est le maître des écuries. Regardez. Si la conseillère se trouve à Leyawin ou dans la campagne. Regardez comme il est trop beau. La brigade d'ivoire la trouvera. Il est trop beau. Il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Bon. Ça, c'est la quête principale, donc on la prend. Absolument. L'elfe des bois est velie flèche vive. C'est de toute beauté. Ah, je le veux aussi. Sur le papier, la guerre des...
Evelie, la conseillère. Ça me rappelle la maison. Voilà, ça, c'est la quête Capitaine, principale. Vous comptez vraiment laisser le sort de la conseillère Girish aux mains de cette étrangère? Pourquoi la conseillère Girish n'a-t-elle pas écouté votre mise en garde? Si la brigade d'Ivoire a besoin de mercenaires pour faire son travail, les Yawin devraient peut-être changer de protecteur. Ah, le serveur redémarre dans une minute. C'est marrant parce que quand je fais des lives, quand je fais les lives le lundi, où il y a les méga serveurs qui redémarrent, vu que je suis quasiment le seul, tout le monde vient sur mon live. Du coup, on est 10 là. Donc bienvenue à tous. Coucou, bienvenue à tous. Le bois noir, vous pouvez posséder jusqu'à... Quoi ? Vous pouvez posséder chaque demeure achetable de Tamriel en un exemplaire. D'accord. Salut à vous, belle compagnie. Exactement, coucou Totof. Comment va Totof ? Salut à vous, belle compagnie, nous dit Totof. J'espère que tu vas bien. Bien le bonjour. Je vais voir que si c'est... Je vais voir si c'est la même ville que dans Oblivion. What ? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur ? En même temps, c'est pas comme si c'était pour annoncer... Pas annoncé depuis hier. Eh bien sûr ! Mais je le sais, hein. Je le sais, hein, c'est juste que... Je le sais. On l'a toujours dit, hein. Moi je fais des lives le lundi matin, et voilà. Mais c'est pas plus mal, comme j'ai dit en début de live. Parce que du coup moi j'ai des choses à faire aujourd'hui. Et oui. J'ai des choses à faire très importantes. Comme par exemple poser ma démission. Et du coup, bah, le jeu me dit... Les développeurs, ils ont dit, on va mettre une maintenance à 9h, comme ça Akira, il pourra faire des choses. J'aimerais voyager, mais je n'ai pas le courage de faire... Mais quelle ville ? Elle n'y est pas, cette ville, dans Oblivion ? Maintenance imminente. Oui, Guinouche. On se promène en attendant. Elle y est pas, cette ville, dans Oblivion aussi? Ou alors c'est moi qui... Ou alors Oblivion, ça remonte à loin, hein, pour moi. Du coup, les matériaux... Enfin, les matériaux, les... Ah! L'artisanat, c'est par là-bas. On se familiarise un petit peu avec la ville du Bois Noir. On se familiarise un peu avec le bois noir pour voir quoi et où et tout le temps que le serveur redémarre. Donc je crois que c'est par là. Ah ouais, elle est sur Oblivion ? Ah putain, vache. Je l'ai refait cet été, Oblivion, ok. Ben c'est bien. J'aime beaucoup cette ville. Ben j'aime bien aussi. Et du coup, bah, Bordelot est magnifique, hein, celle qu'on veut. Elle est en Cyrodiil. Ah, parce que du coup, Cyrodiil a grandi après, c'est ça? Parce que Cyrodiil est plus grand, peut-être? Parce que là, nous, on est là. Cyrodiil est plus grand que ça, après? Cyrodiil prend plus de place? Oh, je me souviens plus. Ah, ça y est, le serveur Renema. Voilà, y a plus de jeu. Parce que la dernière fois, on a réussi à gratter 10 minutes, hein. On avait réussi à gratter 10 minutes. La maintenance était à 10h, et à 10h15, ça nous avait déconnecté. Mais là, ça nous déconnecte maintenant, à 10h, à 9h pile. Ah, ils ont pas attendu une minute de plus. Hein. Non. Exactement. On peut rester 10 minutes ? Non. Tout en bas, ouais bah sûrement, hein, sûrement que la map a grandi après. Cyrodiil s'est peut-être étendu, hein, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Bon, c'était cool, malgré tout, du coup, parce que on a réussi. Presque dans les temps, quoi. On a quand même réussi à aller au bois noir pendant quelques minutes. Mais on a réussi à finir bord de ciel à 100%, les gens. Donc c'est trop cool, je suis trop content. Attendez, je vais quitter. Et je vais mettre de la musique
histoire de s'ambiancer un peu. Ce serait bien ça, s'ambiancer un peu. Où est-ce qu'elle est la musique ? La musique ! Allô ? Allô la musique ? Alors on va mettre celle-là. Non, on va mettre celle-là, regardez. On va mettre une un peu plus violente, là. On va mettre celle-là. Voilà. Oui, le bois noir. Le bois noir, du coup, je me suis TP au bois noir pour voir pour la prochaine fois. La prochaine, on se familiarisera un peu plus avec le bois noir, voir comment c'est. Et puis voilà. Donc les gens, là, j'ai rien prévu. J'ai rien prévu, donc je pense que... Non, je vais... Enfin, j'ai rien prévu pour le live. Et puis je pense qu'on va pas lancer quelque chose maintenant, parce qu'on aurait pu lancer un Jurassic World, hein, en vrai. Mais si je lance Jurassic World, je suis là jusqu'à midi, et puis... Et puis, comme je vous ai dit, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. Des choses importantes qui touchent à mon avenir. Et au vôtre, du coup. Enfin, au nôtre. À celui de la commu. À celui des lives. Donc voilà. Je pense qu'on va se laisser là. C'était cool, on a passé un bon live ce matin. Au-delà de ça, même hier, j'ai envie de vous remercier encore d'avoir été présent. Parce que beaucoup de gens me disaient « Ouais, on sera là !» Et vous avez été là, et vous avez été présent, et c'était trop bien. C'était vraiment trop cool. Donc vivement remettre ça, refaire un JDR en live, c'était vraiment cool. Oui, c'est ça. C'est ça, je me barre. Bah en fait, c'est pas parce que j'ai des choses à faire, c'est parce que t'es là. Parce que du coup, tu peux enfin être là, du coup, bah, je me barre. Mais effectivement, oui. Effectivement, je ne resterai pas jusqu'à... Oh. Oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Ah! C'est ça, depuis qu'il a dit qu'il allait poutrer mon perso, c'est bon. Je prends mes distances. Donc les gens, on va se laisser là. Désolé de finir ce live plus tôt que prévu, mais l'IRL me rappelle, m'appelle à la charge, car beaucoup de choses à faire, mais comme je vous ai dit, c'est des choses qui touchent notre avenir à nous tous. Enfin, pas à nous tous, l'humanité, mais à nous en tant que communauté et à ma vie personnelle aussi. Pour tout vous dire, hein, c'est poser ma démission et gérer le mariage qui arrive bientôt. Donc voilà. Et surtout qu'on est 12. Oui, c'est vrai, on était 12 là. Ça a baissé, mais effectivement, on était 12, on a eu un petit pic, c'était cool. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous fais d'énormes bisous. On se dit à vendredi. Vendredi, je ne live pas jusqu'à vendredi. Semaine un peu légère, du coup. Au contraire de la semaine dernière où c'était plutôt chargé en live, là ce sera une semaine un peu plus légère en live. Mais comme je vous ai dit, c'est parce que du coup on a beaucoup de projets à gérer. Et on se retrouve vendredi. Vendredi après-midi, à partir de 15h. Et ensuite, ce sera des lives matinaux samedi et dimanche, et sûrement le lundi qui suit. C'est ça, exactement. Merci Clem, merci de me le réappuyer et de me le reconfirmer, de me le mettre sous les yeux en plus à l'écrit. Effectivement, c'est une nouvelle aventure qui commence. Enfin, c'est l'aventure qui continue. L'aventure qui continue, mais sur un nouveau chapitre. Bah oui, bien sûr, je sais que vous serez là parce que vous êtes présents, cette communauté est solide et il y a un noyau dur qui s'est formé et ça me fait énormément plaisir et ça me soutient et ça m'encourage pour le reste, pour la suite et merci beaucoup, merci pour ça. Donc oui, on se fait d'énormes bisous, je vais mettre la musique dynamique là qui est trop bien pour la fin de live, je trouve qu'elle est cool.
ça va donner du punch pour tout le monde, pour nous tous. Plein d'ondes positives. Et on se voit dans deux semaines. Salut à vous, belle compagnie. C'est trop bon. Oui. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. Putain, c'est dans 2-3 semaines. Waouh. Waouh. C'est bientôt. Oui, salut à vous, belle compagnie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Je vous fais d'énormes bisous. Bienveillance. Cœur sur vous. Portez-vous bien. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce lundi. Plein d'ondes positives et plein d'amour pour la semaine. Merci encore à Robert de s'être abonné. Au revoir. Merci encore à Robert de s'être abonné avec son Prime. Merci énormément. Merci encore à Zeki pour le follow. Et merci encore à la Madraz TV pour son deuxième mois d'abonnement. Saucisse ! Merci beaucoup du soutien. Je vous aime fort. Je vous dis à très bientôt. Des gros bisous. Et on se met la musique qui va bien. Allez, des bisous. À bientôt. Ah ! Mon Dieu. Bisous. Oui. Je viens sur votre planète pour tartiner ta grand-mère avec du wasabi.
bravo, vous êtes sur Internet. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Non. Hola, étranger, bienvenue dans ma boutique de potions du futur.